Gohan. Ah, pas mal. Ah, mais il n'y a pas de Satan sur Boo. On a eu un Gohan, un Super Boo et un Goten. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui les gars, il s'est passé un truc de ouf. Cette vidéo, je la sortirai le lendemain, donc des animations. Alors, on a eu des nouvelles animations sur Dokkan Battle, ça fait plaisir, ça faisait longtemps d'attendre ça. Donc les animations, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous avez en invoque. Ah putain, j'ai trop de trucs à dire, bon on va faire dans l'ordre. Alors déjà, c'est sur la version Jap pour le moment, ça va arriver sur la version globale. Bientôt je pense que ça sera... Bon, il y a 4-5 mois de décalage entre la globale et la Jap, ou 3-4 mois. Je pense que, concrètement, cette mise à jour là sera avancée comme l'arbre de compétences par exemple. Donc je pense qu'on aura ça d'ici un mois plus. Et si, et franchement, si on l'a aux 3 ans, ça serait tellement bien. Alors je vais vous expliquer tout simplement, là j'ai plein de trucs à dire. On va déjà sur la Jap, vous allez vous connecter, voilà, comme vous voyez ici. Vous allez recevoir 7 tickets donc, qui sont faits pour une loterie spéciale. Alors ce que j'ai compris, c'est pour célébrer les nouvelles animations. S'il y a autre chose derrière, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et à lâcher un énorme pouce bleu les frérots pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Du coup voilà, on a un portail là, donc SR garanti. On a le Badak Time Breaker, la Kale, la Caulifla, etc., etc. Et on a les LR hors détecteur. Et on va donc, vous allez obtenir 7 tickets de ça juste en vous connectant. On va avoir un ticket en plus SSR garanti, donc le même portail exactement, c'est-à-dire qu'il y a les LR aussi dessus. Le portail, le taux d'avoir un LR, et de ce que j'ai vu, il est pas dégueulasse, hein. Franchement, il est pas dégueulasse, il est plutôt bon. Du coup, pour l'instant, on en a 7, et 7 normaux et 1 SSR garanti. Alors, je pense qu'ils en donneront au fur et à mesure, peut-être via des missions, on verra bien. Alors, en passant aux animations, donc... C'est le sujet principal de la vidéo, donc je vais vous montrer les nouvelles animations. Donc voilà pour l'animation LR garantie. Alors vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc là, il se transforme en Super Saiyan. On a Vegeta qui arrive avec les Potara, il fusionne. Et bim, on a un Super Vegeto qui arrive. Là, le truc qui explose et puis... Mais putain, mais... Voilà, arrête de bugger. Prends la tête à bugger. Et puis voilà, on a un LR à la fin. Donc là, c'est SR de Canna Blanc et LR. Donc c'est le portail ami. Mais ça marche aussi avec les SR, les SSR qui se dokan en LR tout simplement. Donc c'est tout, en fait, tous les persos avec lesquels vous pouvez obtenir un LR à la fin. Vous pouvez avoir cette animation là, c'est pas obligé de l'avoir. Vous pouvez avoir un LR sans avoir cette animation là. Mais cette animation garantit un LR ainsi que Vegeto Blue. Donc il y a un Vegeto Blue. Alors je vais tout vous montrer tout simplement, voilà. Ici on a tous les assets, donc merci à tous ceux qui ont fait les recherches et à Dokkan Info. Il y a une personne qui s'appelle Maï sur Twitter, etc. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont fait ce taf là pour le jeu. Alors vous voyez, si on a le Goku Blue Kaioken. Alors après, on va voir, je vais vous montrer parce que j'ai attendu un peu avant de faire la vidéo. Si vous avez bien vu, hier, il y a tout le monde qui a sorti la vidéo. Moi j'ai attendu un peu pour savoir les animations, qu'est-ce que ça signifie tout simplement. Et on a plus ou moins des petites approximations. Donc c'est pas sûr à 100%, bon ça doute. Là on a Goku Blue Kaioken. Là on a Vegeto du coup. Donc Vegeto Super Saiyan, on a Oolong donc qui demande une culotte. On a Bye Bye les gars comme d'hab. On a le Rainbow, on a l'aura de transformation donc en Blue. Donc Vegeto Blue qui est ici. On a Godku, donc Godku puis Goku Super Saiyan 3 qui était déjà présent avant. On a les morceaux de Bye Bye les gars, voilà en gros. Et puis voilà, vous avez le Vegeto Blue et le truc qui attaque. Donc en gros, on a le Satan aussi, le Satan avec Bou qui apparemment veut dire soit SSR, soit LR garanti. Bon, pour l'instant, on n'est pas sûr. Et puis, vous allez avoir un petit écran à la fin. Lorsque vous allez avoir un LR, comme là, comme je vous ai montré sur la vidéo, il y aura écrit que vous avez un LR. Donc, on a aussi un truc super important. On a un troll. Alors, on a un troll. Pourquoi je dis qu'on a un troll? C'est parce que... on va avoir des... Par exemple, vous allez avoir Cymbale, genre celui-là qui est le sbire de Piccolo d'Aimao. Il va apparaître en R, et puis d'un coup, ça va changer, et ça va vous donner un autre perso en SSR, en fait. Et bah, tout simplement, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne. Donc, ça explose. On a le JDT de terre, là. Et puis, d'un coup, ça change. Et là, il y a ma team à scanner qui apparaît. Franchement, c'est pas trop stylé. Ça fait grave plaisir, en tout cas, toutes ces animations qui sont arrivées. Alors, pour les animations, donc, on a eu un début. Donc, j'ai pris ça sur Twitter de Dokkaner. Je crois il a fait ça par rapport au Reddit. Donc, quand il y a un bye bye, les gars, avec Merci les Dragon Ball ou Tu as éveillé ma colère Freezer,
plus apparition d'Olong, donc qui demande sa petite culotte, c'est un LR. Donc c'est un LR, voilà. Quand c'est Kamehameha, donc Super Végéto, quand il fusionne, c'est un LR garanti aussi. Quand il y a un Goku Super Saiyan God, donc c'est LR, apparemment. Super Saiyan God Goku, c'est LR. Alors, Limited, je crois... Alors, soit c'est LR, soit c'est Limited. Alors, pour le moment, on n'est pas sûr. Hein. Ça, c'est des trucs qui sont approximatifs, parce qu'on les a vus ce matin. Limited, je crois que c'est... le perso, enfin c'est les persos qui sont les persos en gros, les persos principaux de la bannière, ceux que vous voyez sur la bannière, donc pas tout le détecteur, mais les persos principaux, donc par exemple, sur le portail les persos qui sont en feature en plus gros, tout simplement. À chaque fois, la plupart du temps, on a un perso au milieu et deux persos sur les côtés. Je pense que c'est ces persos là. Pick up, c'est tout le détecteur, je crois. Donc, c'est le détecteur en entier. Donc, le Kamehameha du Goku plus bye bye les gars, ou merci les Dragon Ball, ou tu as éveillé ma colère Freezer. C'est soit un LR, soit un perso en vedette, voilà, merci, j'ai retrouvé. En vedette de la bannière ou un perso détecteur. Donc pour moi, les persos en vedette, c'est les 2-3 persos qu'il y a vraiment en gros sur la bannière ou un SSR. Donc pour l'instant, on a. Je crois que le Super Végéto. Enfin, ici, il y a écrit qu'il y a peut-être un des 3 persos de la bannière en feature, mais je crois que c'est LR garanti. Pour l'instant, apparemment, on peut avoir un perso de la bannière en vedette. Voilà. Pour l'instant, je me base sur ça. De toute façon, on sait pas trop. Voilà. Bon, c'est les premières infos qu'on a par rapport aux essais qu'ont fait les gens. Donc, alors pour récapituler, donc on a soit un LR, soit un perso en vedette avec un bye bye les gars. Donc quand l'écran il se craque avec l'apparition de Long derrière, soit Végéto, soit Super Végéto, ou soit Super Saiyan God Goku, donc God Kupui, ouais, c'est l'image du God Ku End ou puis je sais plus. Donc ça garantit soit un LR, soit un perso en vedette. Alors après, tout ce qui est bye bye les gars simple, ça va être comme d'hab, SSR garanti en fait. Donc ça peut être un SSR comme un SSR du détecteur, comme un LR, comme perso vedette, voilà. Super Saiyan God, donc Step Up Super Saiyan God. Donc ça, c'est le God Kupui. C'est le God Kupui. Je me suis trompé en fait. Le tout à l'heure, j'ai dit que c'était le God Kupui, mais en fait, c'est pas le Goku, c'est le Goku Blue Kaioken, pardon. Je me suis complètement trompé, qui donne soit un LR, soit un perso en vedette. Et ici, on a le God Kupui, donc qui donne un SSR de rang A ou un SSR de rang B. Alors, on sait pas trop ce que ça veut dire. Il se pourrait que ça soit, par exemple, des God Chair ou des Neo, voilà, le classement soit fait par rapport à ça. Et on a donc le Super Saiyan 3 qui est resté, donc qui donne un LR, tout simplement qui donne un LR ou un perso de la bannière, ou voilà, en gros c'est SSR, voilà. C'est open bar. Donc voilà pour les petites animations. Alors bah maintenant on va aller sur le jeu tout simplement, donc on va aller faire mes invocations, hein. On va aller faire mes invocations, donc je vais mettre le son à partir de maintenant. Voilà. Bon, on va baisser un peu quand même. Donc on va commencer par les singles, qu'est-ce que vous en dites? La petite single, les petites nouvelles invocations. Goku qui arrive, Yamcha et Gohan. Putain, franchement, j'aime trop. Enfin, c'est un truc tout bête, mais c'est tellement stylé. Enfin, je kiffe. Personnellement, je kiffe. Donc là, on n'a pas de... Bye bye les gars! Ouais, cool, son jingle. Et un petit Gohan âgé qui tombe. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, première single, petite Gohan âgé qui tombe, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Donc on a encore 6 tickets. Un petit Chaozu, un Gohan sur la gauche. Alors, ce portail, il est SR garanti. J'aurais encore un bye bye les gars, j'aurais pété un pont quand même, deux fois de suite. Donc là, on a un petit Yamcha. Franchement, super cool les amis. Ouais, quand si on voit le Végéto Blue arriver, ça va être juste incroyable. Ok, il y a le Gohan sur la droite. Il y a les voix aussi. Il y a les voix.
Donc les voix par contre ça veut pas dire grand chose, hein. J'ai déjà eu les voix, ça a rien changé de spécial. Mais bon c'est cool, c'est un truc à noter, c'est vraiment cool. Un petit Mutant Roshi qui tombe. Hop là. Piccolo Tenchian, bon ça a l'air de puer un peu, hein. Je sais pas mais ça a l'air de puer un peu. Ça a l'air de puer un peu, et c'est J1. Et c'est J1, j'ai remarqué qu'il y a moins de, il y a plus de SSJ1 qu'avant. Avant on passait souvent aux deux, c'était très rare qu'on passe pas aux deux. Maintenant il y a un peu moins de, j'ai remarqué qu'on a un peu moins de SSJ2. Yamcha Piccolo, bon pour l'instant les animations c'est pas foufou ce qu'on a. Ah mais franchement les gars, vous imaginez l'animation quand on a l'animation Végéto et Végéto Blue, ça doit être un truc de malade. Genre avant il y avait Shenron, on était bon, Shenron de toute façon il y a ses serres garanties, tu vois. Là ça va être des animations malades là. Bon, Tenchihan. Bon là au niveau des animations sur mon compte on n'est pas gâté. J'espère que vous aurez mieux que moi. Un petit Gohan GT pour qui pas. Petit Gohan. Gohan. Ah, pas mal. Ah, mais il n'y a pas de Satan sur Boo. On a eu un Gohan, un Super Boo et un Goten. Petit bye bye. Ah, pas de bye bye. Bon, ok. Du coup, on a eu un petit SSR. Bon, c'était pas un SSR de ouf, mais pourquoi pas. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant, on a le SSR garanti. Alors, je vous ai pas montré la bannière. On va regarder un peu les persos en vedette. Donc, il y a le Timebreaker. Très bon perso. Caulifla, très bon perso. Excellent aussi le topo. Bon, lui, il est en dessous. Il est pas dégueu. Pas dégueu. Très bon, excellent. En dessous. Bon voilà, on a quand même des persos qui sont assez bons. Donc la petite single, allez, SSR garanti, on espère qu'on va avoir du lourd. Goku. Ah voilà, ils ont 5 là, il y a Vegeta, Goten, Arc-en-Ciel, Ikri. Et c'est J1, et c'est J2, et c'est J3. Ah pas de SSJ God. Putain, j'ai pas vu encore les animations de SSJ God, j'aurais trop aimé les voir. Pequan. Bon d'accord, je crois que Fitz a eu la même, il a eu un Pequan. Parce que j'avais vu Big Up à lui. Donc voilà pour cette petite vidéo les frérots, j'espère que ça me fait plaisir. Franchement ça fait plaisir à saisonner. Je sais pas si ça se voit sur ma gueule, voilà, mais c'est cool. Ils sont en train de revenir au début de Dokkan, enfin à ce qui cloche tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on invoquait maintenant, il y avait plus de hype, on avait Shenron, et c'est J3, de toute façon on avait un serveur garanti. Là ça va être, tu vas voir Végéto, tu vas être comme un malade, tu vas être, waouh, c'est quoi, tu vois. Ça fait plaisir, voilà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer les notifications pour savoir quand je suis en live, voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez avoir du lourd, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.